Me lève une barre au crâne, la veille j'ai festoyé. Trop la flemme, quitte ses fils de, va payer le loyer. Je fais mon mélange, elle croit qu'elle vient, jump, elle vient faire le ménage. Belle comment je t'appelle, les gars qui tu fais des menaces. Tico bip bip, ouais, ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas lassé. Wesh l'équipe, c'est parti pour une petite vidéo que tu dis mercredi. Ah l'équipe, comme d'hab, pour cette vidéo sur Boost 73 sort aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, te casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence avec tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo que tu dis mercredi, on a Aya Nakamura qui est en concert à Lyon. Et on va dire qu'il a fait un petit peu polémique. Puisqu'en gros, pendant son concert, au moment où elle est arrivée sur scène, elle a dit « Ça va ou quoi Bordeaux ?» Et elle était à Lyon. Donc en gros, il y a plein de personnes que ça a fait réagir sur les réseaux, etc. Et il y a même des articles qui ont été faits. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça c'est vraiment un truc de fou. Il y a Universal Music Group qui a conclu un partenariat avec la société de musique AI Handel pour aider ses artistes à créer de la musique assistée par l'IA. En gros, par l'intelligence artificielle. Donc ouais, ça sera plus des artistes en fait. Ça sera justement une intelligence artificielle qui va tout créer. Si j'ai bien compris. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Booba qui a clashé Kenna Samet. Parce que Kenna Samet, elle est passée en interview sur la chaîne de Doze. Et dedans, ils lui ont posé une question. C'était la mélodie dont tu es la plus fière. Et elle a répondu le son avec Booba, tu vois. Ben, sans dire le nom de Booba. Elle a juste cité le nom du morceau. Et on peut voir que Booba, elle a dit Miskina, toute sa carrière, c'est ce morceau dont j'ai fait la mélo. Et le refrain, dis mon nom, la gueuse, avec un smiley mort de rire. Et ouais, il fait référence ben, au son avec Kenna Samet. Franchement, ce titre-là, c'est Destiné. Mon couplet sur Destiné, j'ai mis du temps à l'écrire. Je me suis pris la tête comme jamais sur un couplet de ma vie. Je sais pas pourquoi j'avais cette pression de chanter avec cet artiste que j'écoutais tous les jours en fait. Et je me suis dit, je vais pas avoir mille occasions quoi. Et juste après, il a piqué Gims. Puisque Gims, il a fait un concert à Carrefour. Et en gros, on peut voir que Booba il a dit Gims, les dernières volontés de Mozart à Carrefour. T'as honte un peu des fois ou même pas, point d'interrogation. Et il a publié cette vidéo. Tu me dis un petit peu ce casque, toi, tu ne vois pas. Ah, on fait même la démonstration de comment on... Ah, je te tiens le micro. Je te tiens le micro. Alors. Alors, la particularité de ce casque, c'est qu'il est dingue. On a plusieurs rouges comme ça, plein de couleurs différentes. Ça veut dire que si tu es habillé en rouge, tu mets les rouges. Si tu es habillé en jaune, tu mets les jaunes. T'as capté? Il est incroyable. Il a un son de dingue. Donc, je vais offrir ce casque. Il y a Gims qui a fait une présentation avec Ensuite, il y a TRZ qui a sorti son freestyle, Freestyle Insalubre Gis, qui est disponible sur sa chaîne YouTube. Et ouais, en gros, le retour de TRZ, c'est un truc de fou. Et en plus, sur du freestyle insalubre, j'étais obligé de vous le partager. Regardez. Elle danse sur du reggaeton, dans le huracan. Elle se croit bonne, elle en fait des tonnes. Le nez dans la cam, elle a fini la bouteille. Elle est passée du raken, arrête de dire que c'est ahlel. Voilà, poto, tu déconnes. Ensuite, je vous ai parlé du live de Medja, qui a justement invité plusieurs rappeurs sur son live. Et il y a quelques jours, il a invité Bahao. Et Bahao, il a parlé justement de son vécu. Et vraiment, c'était vraiment intéressant. J'ai vraiment trouvé le passage intéressant et je tenais à vous le partager. Regardez. Quand il y en avait 16 ans, c'était impossible, ou 18 ans. Ouais, vous n'avez pas de CV. Maintenant, t'as pas d'argent, t'as un téléphone, tu fais Uber, t'as un vélo. Voilà que tu fais vélo, tu fais des 800-900 euros par mois. Tu peux ramener ta copine au cinéma, au moins tu vis sans demander à tes parents. Avant, s'il y avait ça, on l'aurait tous fait. Mais nous, pas ça, frérot. Fallait aller à l'intérim, s'ils te prennent, t'as pas de CV, c'est mort. Eh, frérot, on a cherché à travailler, voilà qu'ils voulaient pas. Pour ça, on a fait les trucs sales. Tête de ma mère, frérot, à un moment, on a cherché, on a dit, ah, venez, on y va. On a dit, oui, monsieur, vous avez pas de CV, vous avez pas d'expérience. Ta grand-mère, pour avoir de l'expérience, faut m'en donner, frérot. Mais c'est vrai, frérot. Non, mais en parlant ça, les petits frères, là, maintenant, moi, j'aurais été jeune. Même, j'ai pas d'argent, j'ai une petite copine, je kiffe. Avant, moi, je kiffais les meufs. Ah, j'ai ma petite raclée. Ah, je vais travailler Uber. Voilà. Travailler Uber à tac. J'ai mon petit vélo, pas maman. Même, je fais mes 700, 800 euros. Ouais, 700, 800 euros de nos jours, je vis chez ma mère. Je paye rien. Au moins, ma raclée, tu veux faire parce que les gens, maintenant, c'est. Ah, ma meuf, elle veut du Gucci ou ma meuf, elle a besoin de ça. Faites pas les pigeons, les frérot. Mais si t'as une meuf en sarre, tu l'aimes, t'as envie de lui faire un petit plaisir, tu sais que t'as tes 100 euros, 200 euros, on va au cinéma, on va notre nuit d'hôtel, peu importe ce que vous faites. Et ça, on vous dit de faire les pigeons, ce que je vous dis, mais au moins tu travailles en sarre, là, remets toujours un billet avant la meuf, t'as gagné 700 euros, donne 100 euros à ta mère, après, nique tout, même dans la chrope, je m'en bats les couilles, donne tes 100 euros, ça me bâtard. 100 euros à la daronne, toujours. Voilà les gars, non, sans ça, je vous aime, je vous dis ça, parce que je vous aime, sinon je m'en bats les couilles, moi. Ensuite, on a Lino, anciennement de Arsenic, qui a parlé avec Fif de Bouscapé. Et ils ont parlé des vrais chiffres. Et la vidéo, elle est vraiment intéressante. Regardez. Les vrais chiffres. Mais est-ce que les rappeurs gagnaient le secret oseille?
C'est tout ça dont on va discuter. Bon, ouais, bien sûr, c'est tout ça, on va discuter. Bien sûr qu'on l'a eu, le gros air. Bien sûr qu'on l'a eu. Parce que vous êtes signé en artiste. Oui, mais on l'a eu. Okay. On en avait beaucoup. Ah ouais? On avait beaucoup, mais on était des gamins qui ne savaient pas ce que c'était que l'argent. Ouais, et on ne savait pas, on était dans un business qui n'était pas un business. Aujourd'hui, c'est devenu un business. Donc aujourd'hui, les gamins, quand ils touchent de l'oseille, ils sont au courant du truc et ils font marrer. Mais nous, on ne savait pas, on pensait qu'on carottait les gens. Alors que c'est les gens qui nous carottaient. Ensuite, il y a Sasso qui a annoncé son prochain single. Avec un visuel, c'est un truc de fou. En gros, ça va s'appeler Tour du Monde. Et ça sort vendredi. Et ouais, vraiment, le clip, ça va être une dinguerie. Quand je vois les images, j'ai hâte de voir le clip vendredi. Ensuite, ça me fait vraiment plaisir de vous l'annoncer. Il y a Bibip qui va faire la première partie de DTF le 3 juin à la BAM à Metz-Borny. Et encore merci à la Cité Musicale et à DTF pour l'opportunité. Et à 18h, on fait un concert gratuit pour les personnes qui sont intéressées, au même lieu. Donc en gros, ça se passe à la BAM à Metz-Borny, le 3 juin. Je vous invite à être présent, l'équipe. Je serai présent avec mon équipe. Ensuite, en parlant du live de Medja, hier, je vous ai parlé de Sadek, comme quoi il était invité sur le live. Et il était bien présent. Et il y avait même Soso Maness avec lui. Mais en gros, pendant live, ils ont parlé justement des cérémonies des flammes. Et il a parlé de Jul. Et vraiment, ce qu'il a dit, c'est vraiment intéressant. Regardez. Quelqu'un qui pensait que je n'étais pas invité, je suis invité depuis l'année dernière, frère. Depuis l'année dernière. Non, mais ça, c'est des conneries. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal aussi avec un truc. Mais t'as vu le type Jul. Vraiment, nommons-le comme il est. C'est-à-dire cette musique qui a été popularisée par Jul. Je sais pas qui l'a faite en premier ou pas. Pour moi, c'est Jul. Et qui a influencé Marseille, la France et surtout toute l'Europe, frérot. Au bout d'un moment, est-ce qu'on peut pas juste respecter? C'est-à-dire qu'un courant musical, c'est quoi? C'est les émotions. Ça a pris le dessus sur les humains. Que tu écrives les plus belles poésies du monde ou quoi, ça n'a pas cet impact-là. Respecter aussi cet impact-là. Après, le problème aussi, c'est quoi? C'est que dans le momentum de cette année-là, si Jul, il avait fait bande organisée l'année des flammes et qu'il n'est pas invité, qu'il ne gagne pas, même s'il ne vient pas et qu'il ne rafle pas toutes les récompenses, là, c'est pas normal. Sauf que Jul, il impose un rythme tellement élevé que c'est vrai que dans cette année-là, même s'il fait des grosses ventes qui sont exceptionnelles, il n'y a pas un choc qui va faire que, tu vois ce que je veux dire, tu peux lui truc plus qu'un Tchakola qui est dans une carrière où il est en avènement, plus qu'un Werenoi qui est la révélation de l'année. Je trouve que tu as vu les gens qu'ils ont choisis, ils sont plutôt bien choisis, tu vois. Bien sûr, c'est mérité complètement. T'as capté Gazo, truc, SDM, je trouve qu'il aurait été méritant aussi, il a été super pertinent ces derniers temps, t'as capté. Et en parlant du live, il y a Soso Maness qui a annoncé qu'il est en train d'écrire un film avec SCH. En gros, il y a un film qui va sortir qui sera écrit par SCH et Soso Maness. Ça va être une dinguerie. Ah, j'ai envie de le poucher, moi. Mais non. J'ai envie de le poucher, moi. En parallèle, après, c'est vrai qu'il y a le cinéma là, qui est entré en cours. Donc, on a écrit un film là, avec SCH. On va pas tarder à attaquer les castings, tout ça. Nanani. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent participer au casting, non, on prend sous casier judiciaire, c'est tout. Jean Casé. Impeccable. Ah, voilà. Jean Casé, je rigole. Il y a beaucoup de choses. Tu sais comment ils sont forts à Marseille, il t'a dit je suis en train d'écrire un film avec SCH. Mais il a dit d'une manière, on dirait il écrit. Comme tu disais, quoi, bien sûr. Voilà. J'ai fait une omelette. C'est vrai. Bah, moi, ça c'est vrai. C'est bien ça. Non, là on est plus sur les contrats. Comme je l'ai dit dans les interviews, je raconte ma vie. À la base, dans le rap, il fallait avoir un CV. Moi, je suis un artiste, façon de parler dans le rap. C'est pas qu'on dénigrait personne, hein. Mais dans le rap, je fais partie des plus gros CV. Quand je te parle vraiment. Qui est dans le rap à ramener de la coke à leur Martinique, ramener des affaires? Une question. Ouais. Une vraie question. Vas-y. C'est que tout là, les gens doivent se poser. Ça débat tous les jours dessus. Ouais. C'est. Donne-moi trop. Vas-y, trois. Rappeurs qui ont un CV. La crime, direct. Soso Maness. Je pense, en plus, je le connais pas, c'est un petit jeune plus que moi. Moi, c'est dans ma tête, comme ça qu'il me vient. La crime, Soso Maness. Troisième qui, je sais pas, je pourrais pas te dire comme ça. Je sais qu'il y en a qu'on non, mais je n'étais pas prêt. Il y a CV. C'est... Il y a le CV de avoir dealé des barrettes dans sa cité. Non, le vrai le chouf, le barra. Ouais. Moi, je te parle. Moi, pour moi, là, il y a la crime qui vient en tête. Ah, que lui. Ah ouais? Non, je te dis, après, j'ai oublié. Non, après, je connais pas tout le rap, les gars. Je suis pas tout le monde. Les petits jeunes m'en parlent pas. Après, comme je te dis, Soso Maness, que j'ai discuté avec lui, je sais qu'à peu près par rapport à son oncle, on se connaît et tout. Je sais que lui. Peu importe son niveau. Peu importe son niveau, c'est un mec de la rue. Peu importe ce qu'il a eu, on n'a pas dit de la rue, c'est avoir ramené. Moi j'ai fait plus que la rue. Moi j'ai été dans les pays négociés, les trucs. Eux, c'est que les gens, il y en a qui peut-être qui l'ont fait, mais dans le rap, ça, c'est rare, c'est pas possible. Dans le ghetto, ouais. Le mec de cité, tu me dis, ah lui, il est allé en Colombie. Oui, ça je te dis oui. Mais dans le rap, viens, on fait pour de vrai. Moi, c'est des affaires condamnées, payées. Même si tu l'as pas dit toi, on sait très bien, il y en a très peu.
côté, prendre des affaires en Amérique du Sud, c'est là-bas qu'elle est produite. Vous allez au Maroc prendre le bédo, eh ben c'est un coke, c'est là-bas. Moi, j'allais là-bas payer les gens qui pouvaient me découper, que la somme que je leur ramenais, c'est des 15 ans, 20 ans de salaire de là-bas. Il vient et dit, mais c'est qui ce barraoul? Eh, nique ta mère, on donne rien du tout. Nique ta mère du Brésil, je vais faire quoi? Je vais appeler les mecs de ma cité. On prend un avion, venir en Brésil me défendre. Quel mec de la cité va venir? Bakao, j'ai un embrouillé avec les mecs du Brésil, ils me rendent 400 000 euros. Coran messagerie le lendemain. Excuse-moi, Bakao, ma tante, elle est malade. Qui va venir, frérot, prendre un avion et venir? C'est pas ton sang pour venir, j'irai, frérot, je viens avec des sous, viens, on les règle. Frérot, moi, mon frère, il a ça, je viens. Je peux même venir pour mon frère et dire, prenez-moi à sa place, si c'est mon sang. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Les gants, j'pense à tout. La 9-200, j'accélère. J'bombarde, j'aime bien quand ça pousse. Côté du mélange, ça mousse. Y'a les petits qui crient quand ça passe. Tu te trompes, j'pense qu'on s'amuse. C'est un petit qui fume pas, qui te passe à tabac. Un premier appel, un client qui m'en fout, vous voyez. Une bobonne prête pour une tournée. J'ai passé la frontière, j'ai vu un combi au tournant. J'enfonce tout dans la cache, s'il trouve je vais tourner. C'est vrai que j'ai faim de cash, mais faut pas trop faire le gourmand. Et Dieu. Voilà, le qui se passe entre RSR aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas cassé les couilles trop tendu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, chien, et référencement, si t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas une mettre dans les commentaires, tu mets top. C'est juste pour référencement. Enfin bref, je te dis à sort pour une même prochaine sur une nouvelle vidéo et une nouvelle excuse. J'ai plus d'air, je débite, j'ai le ventilo, il est juste là, mais je veux pas l'allumer parce que sinon ça fait trop de vent sur le micro. Et on va pas m'entendre, on va croire que je suis dehors. Enfin bref, pisse les quais. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voix suspendent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moins des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des camés. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricanais, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son a capté. Des choses se sont passées. Un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage. Y'a des gens à pacifier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquilles ont plainté, faut vesquiller la banale. Les samedis sans arrêt, bip bip, t'as du talent. Faut percer sans sucer, et ça j'en fais le serment.